Quelle est ta mission au sein de Business et Décision ? Sébastien Pujade, consultant digital senior. Mon métier consiste à accompagner les entreprises dans leur connaissance et l'optimisation de leur parcours client. Pour ce faire, j'interviens sur quatre thématiques. La première, ça consiste à implémenter techniquement l'ensemble des outils marketing, analytics et de connaissance client. Ma deuxième mission consiste à faire en sorte que ces outils soient conformes à la réglementation européenne. Ma troisième mission est de faire en sorte que nous puissions collecter toutes les données afin de les transformer et pouvoir les restituer dans le cadre d'analyse. Enfin, ma dernière mission consiste à faire des tableaux de bord dans le but que nos clients prennent des décisions et passent à l'action. Par rapport à tes précédentes expériences, qu'est-ce que Business et Décision t'a apporté ? Par rapport à mes précédentes expériences, Business et Décision m'a permis de découvrir de nouveaux métiers, comme la business intelligence, le CRM. Également, ça m'a permis de découvrir de nouvelles problématiques chez nos clients. J'étais freelance, j'ai pu ainsi découvrir les problématiques de mise en conformité par rapport à la réglementation européenne, ou bien l'optimisation sur des parcours liés à l'e-commerce. Comment définirais-tu Business et Décision en trois mots ? Le premier mot, ça serait esprit d'équipe. Aujourd'hui, j'interviens chez un client dans le cadre d'un centre de service. J'accompagne une équipe de 10 personnes, 10 consultants et consultantes. Et on est tous solidaires, on prend les décisions ensemble. Et lorsqu'on fait des réussites, on les partage ensemble. Et lorsqu'on fait des erreurs, on les assume tous ensemble. Le deuxième mot, ça serait la convivialité. Quand je suis arrivé chez Business et Décision, j'ai été accueilli dès le premier jour avec 8 autres personnes. Et régulièrement, on est amené à avoir des déjeuners ensemble, des petits déjeuners, des goûters. Donc c'est vraiment quelque chose de convivial, comme une grande famille. Et le dernier mot, ça serait l'humilité. On partage tous ensemble nos différentes expertises, nos différentes expériences, afin de progresser tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose de passionnant.